Marco, beaucoup de choses ont été sorties de leur contexte concernant Sergio Pérez. Oh là là. Et puis Ricardo aussi. Nous avons Ricardo dans la voiture pendant 3 jours après Silverstone pour les tests de pneus et nous pourrons alors évaluer où se situe vraiment Ricardo. Immédiatement, des rumeurs ont déjà fait surface selon lesquelles Pérez devrait craindre pour son baquet. Alors, c'est surtout De Vries au final qui devrait craindre parce que Ricardo est un concurrent pour De Vries, hein, clairement, pour le baquet. Hein. Marco a déclaré beaucoup de choses ont été sorties du contexte. Daniel Ricciardo conduit peut-être pour les essais, mais ça n'a pas grand-chose à voir à l'aspect sportif. Pérez a fait de très bonnes courses, mais aussi de très mauvaises. Il doit passer à la vitesse supérieure et réaliser les meilleures performances possibles. Il n'y a pas lieu de rêver à des titres mondiaux pour lui. Bim! Allez, prends ça, Sergio. Sergio Pérez à terre, suite aux propos de Marco. Bon, il a l'habitude, hein, je pense, de toute façon. Non, mais Ricciardo, ouais, ça va être des essais cruciaux, hein. À Silverstone sur la Red Bull pour les essais Pirelli. Donc là, on verra vraiment s'il lui reste du talent ou pas. Et les ingénieurs verront son vrai niveau. Ça va être intéressant et on verra à partir de là s'il a une chance de revenir en F1 en 2024. Allez, ciao.